Je retiendrai comme trois points principaux de cette conférence. D'abord, le fait de amusez-vous avec l'IA, appropriez-vous ces différentes technologies, prenez le temps de les comprendre surtout. Le deuxième point, c'est bien entendu de cadrer les usages, puisque comme toute nouvelle technologie, il est important qu'on puisse, après s'être questionné, de pouvoir bien verrouiller les différents risques auxquels on s'expose. Et enfin, le dernier point, ce serait de faire appel pour ce type de projet, si jamais vous avez le souhait de l'intégrer au sein de votre entreprise, d'avoir recours à une personne qui a cette vision très transverse et qui sait prendre en compte les différents besoins des parties prenantes, une personne comme un LegalOps ou un conseil externe. Comme de nombreux cabinets d'avocats, on a effectivement testé des solutions d'intelligence artificielle au sein du cabinet, notamment en matière de justice prédictive. Bon, je ne vais pas donner de nom, mais il y a un éditeur très connu qui a intégré dans ses bases de données beaucoup de décisions jurisprudentielles et qui permet justement de faire des recherches afin d'avoir une solution qui est la plus fine possible. Nous avons effectivement des clients qui ont déjà été confrontés à la situation où ils avaient besoin d'avoir recours à une technologie d'intelligence artificielle qui peuvent faire appel au service du cabinet. Donc dans ce cas-là, généralement, on les accompagne, surtout au stade de la contractualisation, puisqu'il y a, comme je l'ai dit précédemment, certains points qui méritent d'être verrouillés, notamment en termes de sécurité des données, données entrantes, données sortantes, bien comprendre la méthode qui sous-tend le modèle de l'intelligence artificielle, également des questions de propriété intellectuelle qui vont découler de l'utilisation de ces données, et également de licences utilisées, puisque la technologie peut être elle-même soumise à une licence, par exemple avec des copyrights ou des copylefts même.